Vous en pensez quoi des blagues entre nous? Et la réponse, nique les noirs. Comme une envie de mettre une croix nazie en fond du logo. En général, les étrangers y servent à rien. Je suis étudiant à l'école centrale de Lille et aujourd'hui, on va parler du racisme dans les grandes écoles. Les messages que je viens de vous lire, ils proviennent d'une conversation Messenger du nom de Centre Racisme, dans laquelle une trentaine d'élèves de l'école centrale de Lille échangent des propos antisémites, racistes et négrophobes. Dans cette conversation, on y tient toutes sortes de propos racistes. On y trouve également des mèmes qui s'apparenteraient à des blagues sur différents groupes ethniques. On y trouve également du contenu pornographique, toujours dans le but de se moquer, de stigmatiser notamment les personnes noires. Je ne pouvais pas supporter de lire ce contenu-là. Que, par exemple, quand je voyais des images de la traite négrière, j'ai préféré ne pas regarder longtemps et m'attarder sur le contenu qu'on pouvait trouver dans cette conversation. C'est bien plus que des trolls. Ils ont d'ailleurs, dans cette conversation-là, écrit un message qui était en fait un remix des valeurs de l'école et ils ont écrit exigence, audace et racisme. Dans cette conversation-là, ce n'étaient pas des attaques qui étaient personnelles, donc destinées à des étudiants en particulier. C'est sous le nom de l'école que ces attaques elles ont été faites. Donc je me sentais concerné non seulement parce que je suis noir, mais en plus parce que je fais partie de l'école. J'ai eu accès à cette conversation. Suite à ces événements-là, j'ai décidé de rendre publique cette affaire. Donc le réseau des écoles centrales, un réseau d'écoles d'ingénieurs généralistes. Je pense que les étudiants mesuraient leurs propos. Je pense que cette affaire n'est pas un cas unique. Et je pense qu'elle s'insère dans un combat qui est plus grand, qui est le racisme dans les grandes écoles et le racisme en milieu scolaire. Je pense aussi que ça peut donner le courage à d'autres personnes qui ont vécu ce même genre d'affaires à sortir de l'ombre et à parler et à faire part de ce qu'ils ont vécu. L'affaire, elle en est au point où ils sont en train de voir avec des avocats ce qu'il est possible de faire d'un point de vue juridique, mais également ce qu'il est possible de faire d'un point de vue scolaire. L'administration prend ses responsabilités et va donner des sanctions. Donc ça, c'est un bon point. Donc pour éviter qu'à l'avenir, une situation similaire se reproduise, je pense qu'il est principalement important de communiquer et de montrer fermement que nous n'acceptons pas cette mentalité-là dans l'école. Ça peut aussi être bien de mettre en place des ateliers de sensibilisation par rapport à ça, pour inviter les gens à se poser des questions par rapport à ce genre de phénomène, pour se poser des questions par rapport à ce que les minorités ressentent quand elles sont dans ce genre de situation. Dans les grandes écoles, on est sous-représentés.